De Célia. Et je suis très très heureux de vous retrouver ce jour-là pour continuer avec l'école d'informatique bureautique. Eh bien, on va avoir un nouveau chapitre. On va avoir un autre chapitre qui concerne les dessins. Qui concerne les dessins, comment peut-on créer des dessins en Windows. C'est cette partie-là qu'on va avoir qui porte le nom de Paint. Paintbrush, c'est ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on va étudier ensemble. Est-ce qu'on peut faire des dessins en Windows? Oui. Oui, on peut faire des dessins en Windows et c'est ce qu'on va voir dans ce nouveau chapitre. Eh bien, on va voir ce petit programme-là, ce petit programme qui porte le nom de Paint. C'est un programme de dessin avec Paint qu'on peut créer des objets, des images en les coloriant. Maintenant, comment peut-on lancer Paint? Comment peut-on lancer Paint qui est un petit programme, qui est un programme dans lequel on peut créer des objets, des images? Comment peut-on lancer Paint? Eh bien, pour lancer Paint, premièrement, il faut faire un clic droit sur Start, un clic droit sur Start, puis All Programs, puis Accessories, puis Paint. Pour lancer Paint, il faut cliquez sur Start, deuxièmement sur All Programs, troisièmement sur Accessories et Paint. Eh bien, on va le faire pratiquement pour voir comment peut-on lancer Paint. Comment peut-on lancer Paint pour faire des images, pour faire des dessins en Windows? Comment peut-on le faire? On va le voir rapidement puisque avec cette IA, vous serez des professionnels dans cette nouvelle génération qui ne sont pas vraiment comme d'autres professionnels. Ce sont des professionnels que forme la CTA, qui est Centro Tecnología de las Américas. Maintenant, comment lancer Paint? Pour lancer Paint, on clique sur Start ici. Start, All Programs. All Programs. Puis, Accessories, ici, vous voyez, Accessories. On clique sur Accessories. Puis, on clique sur. Voilà, Paint. OK. C'est la façon qu'on peut lancer Paint, qui est un petit programme de dessin en Windows. On va voir comment peut-on créer des dessins Paint, comment peut-on faire des objets. Maintenant, ici, voilà, on va le lancer à nouveau. Pour lancer Paint, on doit cliquer sur Start. All Programs, Accessories, puis Paint. Voilà. C'est ainsi qu'on peut lancer Paint. Et on va voir comment on peut créer des objets en Paint. Comment peut-on faire des dessins? Eh bien là, je vais vous montrer deux dessins. Et après, vous-même, vous allez faire d'autres expériences. Vous allez vous approfondir en WordPad en faisant des Paint, excusez-moi, en faisant, en essayant de faire d'autres dessins. Maintenant, la première chose qu'on va faire, le premier dessin qu'on va faire, donc on va faire la construction d'une maison. On va construire une maison en Paint. On va construire une maison en Paint. Après avoir lancé Paint, on va construire une maison. Et on va construire une maison en Paint. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Maintenant, voilà, Paint est lancé. Paint est lancé. On va cliquer sur d'abord que ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est d'abord on va étudier l'environnement. On va étudier avant même de faire des dessin des objets, on va étudier l'environnement. Maintenant, cette barre-là porte le nom de barre de titre. Ici, ça, c'est la barre de titre. Cette barre-là, la barre de menu, ici, la partie clipboard, la partie image, la partie shapes et la partie colors. Et cette partie-là, c'est la zone de travail. C'est la zone de travail ici, c'est la zone de travail. Et cette barre-là, c'est la barre d'état. La barre d'état ou statut bar ou la barre d'état ici. C'est la barre d'état ou statut bar. Ici, Jean, c'est la barre de titre ici. Ici, c'est la barre d'outils.
bouton accès rapide, c'est là-bas, bouton accès rapide. Sous quick access toolbars, bouton accès rapide. Ici, c'est la barre de titre. Ici, c'est quick access toolbars, bouton accès rapide. Ici, c'est la c'est barre de menu. La barre de menu, il y a la partie clipboard, il y a la partie image, il y a la partie tools, il y a la partie shapes, il y a la partie colors. Et c'est ça, c'est la zone de travail. C'est la zone de travail où on peut faire des images, des objets colorés. Maintenant, cette barre-là porte le nom de data. C'est la barre data ou status bar en anglais. Mais c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut voir dans ce cours d'initiation au lancement de WordPad et dans les prochains cours, on va voir comment peut-on créer des objets, comment peut-on faire des dessins en WordPad. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. C'était toujours votre professeur Saint-Méus pour vous présenter ces cours d'informatique. Au revoir.